Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer la Wolfbox de décembre. Donc Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer la Wolfbox de décembre. Donc la Wolfbox tant attendue de Noël avec 6 produits à l'intérieur. Donc comme la dernière fois je l'ai pas ouverte, je l'ai laissée de côté jusqu'à temps de filmer cette vidéo. Elle est arrivée dans ma boîte aux lettres cette fois-ci, la dernière fois j'ai dû aller la chercher à la poste. Là la personne a réussi à la mettre dans la boîte aux lettres, donc pour les personnes qui me suivent sur Facebook, j'avais dit que la boîte avait été ouverte et que du coup j'avais demandé à ma sœur de regarder en secret s'il y avait bien eu les 6 produits à l'intérieur et que rien ne m'avait été volé. Du coup apparemment il y a bien les 6 produits, donc je vais pouvoir la regarder moi-même. Donc je vais pas plus attendre et je vais l'ouvrir tout de suite. Je vais rester. Ta-da-da. Alors, Lialaloum. Ah d'accord. Je vais avoir la même réaction à chaque fois quoi. Mon dieu, elle est remplie, c'est trop bien. Oh là là, mais il y a plein de trucs. Trucs de malade. Oh, mon dieu. En fait, il y a plein de trucs. J'ai l'impression qu'il y a plus de trucs que 6. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il y a bien 6 produits, mais alors... En fait, c'est tellement gros que j'ai l'impression qu'il y en a plus que la dernière fois. Mais non, non. Alors, comme d'habitude, il y a le Woof Mag. Donc le Woof Mag... Le Woof Mag Joyeux Noël. Avec plein de petits articles sympathiques. Voilà. Donc je vais commencer comme la dernière fois par des friandises. Allez hop, soyons fous. Alors la première friandise c'est de la marque Riga et c'est apparemment du gibier. Avec 75% de viande à l'intérieur. Moi c'est sympa, c'est un petit bâtonnet en fait. Bah je vais l'ouvrir puisque de toute façon je vais aller donner ma chaîne après. Hop. J'ai peur. Non ça va, ça sent pas trop fort. En fait depuis que j'ai senti les friandises super fortes la dernière fois, j'ai un peu peur de tout sentir maintenant. Tellement ça a pué la mort. Bref, alors le deuxième. Ah c'est trop mignon. En fait c'est des... Comment dire? Des friandises en forme de fleurs. Et apparemment, c'est saveur agneau, cranberry et pomme de terre. Voilà. Donc pareil, je vais l'ouvrir pour sentir. Je vais voir si ça pue ou pas en fait. C'est pas très beau, hein. Ça sent pas très beau. Mais bon, comme tous les trucs pour chiens en fait. Tous les trucs pour chiens puent, donc voilà. Alors, je vais prendre ça. Donc ça, apparemment, c'est bien. C'est un plaid pour animaux. Par contre, faites attention. La mienne, elle n'est pas comme ça. Elle tire pas sur les couvertures. Elle déchiquette pas. Elle a un petit matelas, elle le déchiquette pas. Mais bon, il y a des chiens pour qui c'est le cas. Et là, apparemment, c'est un petit plaid. Donc il est super mignon. Je crois que c'est un plaid avec des pattes dessus. Oh, il est mignon. J'adore. Tadam ! Bon, il est pas très grand. Mais il est trop chou. Imagine, elle aime bien... parce qu'en fait, nous, on a un carrelage, du coup, c'est assez froid. Et elle aime bien toujours se poser sur une petite couverture ou un truc. Ensuite, alors ça... Ça, c'est un petit jouet qui fait pouette-pouette, je pense. C'est ça. Donc, elle va kiffer. Elle kiffe les jouets qui font pouette-pouette. Ensuite, alors... alors ça je trouve ça trop sympa, c'est une corde avec un Père Noël au milieu et une balle au bout. Donc pareil, ça fait pouette pouette aussi. Donc je trouve ça super mignon l'histoire de la corde avec des doudous et une balle. Oh ma chaîne a commencé à pleurer, elle a entendu le pouette pouette. La connerie que j'ai pas faite d'actionner le pouette pouette moi. Praline! C'est arrêté. Donc voilà. Et ensuite, on s'attaque à la dernière chose. Alors ça aussi, j'adore. Non, franchement, j'adore. Alors là aussi, il y a un petit pouette-pouette. Mais je vais pas appuyer dessus parce que vu comment ma chaîne, elle pleure depuis qu'elle a entendu le pouette-pouette que j'ai fait
sur les deux autres. Je préfère pas actionner celui-là, mais là c'est pareil, c'est une petite botte, comme ça, trop choupinette, avec un petit pouet-pouette à l'intérieur. Et voilà, j'ai tout regardé, donc vraiment, je suis super satisfaite de cette box. Je la préfère à celle de la dernière fois, non pas parce qu'il y a plus de produits, mais c'est surtout parce qu'en fait, il y a 3 doudous au lieu de 1 la dernière fois. On a 2 friandises, bon c'est dommage qu'il n'y a pas eu de produits cette fois-ci, mais bon, je trouve que c'est pas le plus important dans les box. Et je trouve ça vraiment sympa le petit plaid pour les chiens parce que justement ma chienne elle adore se mettre sur ce genre de choses. Et vous allez voir, je vous montrerai, dès que je vais la mettre par terre, elle va directement aller dessus. En tout cas je pense. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Avant de vous quitter, je vous avais parlé la dernière fois d'un concours et du coup je vais aller vous dire de vous rediriger justement vers ce concours. Le lien est en barre d'informations. Je vous dirai donc dans l'autre vidéo ce qu'il y a à gagner, mais je pense que ça va vous faire vraiment plaisir. En tout cas, autant que si on me l'avait offert à moi et ma chienne, enfin ma chienne et moi. Du coup, ne quittez pas la vidéo puisque je vais vous montrer les réactions de ma chienne tout de suite par rapport à tous les doudous qu'il y a au plaid et aux friandises. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Alors, Titounette, t'étais pressée d'avoir tes cadeaux? Oui, oui, t'es pressée. Oh, t'es bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut te donner? Tu veux une friandise? Ça fait vite, ça. Non, tu restes là-bas. Non, Nania, viens ici. Donc là, je vais lui donner ça, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Ok, bon. Bon, ensuite, on va passer au doudou parce qu'il kiffe. Tu veux ça? Tiens, on va chercher. Attends. Tiens. Ah, ça fait plus doudou, du coup elle kiffe encore plus. Là, elle sait plus quoi choisir, là, il y a trop de nouveaux trucs. Et ça, Praline, tu veux ça? Tu veux? Tiens. Tourne-toi sinon on ne voit pas. Ah. Non mais il n'y a plus rien, c'est bon. Attends, faut pas déconner non plus. Bon voilà, cette vidéo est terminée. C'est pas à toi que je parle. Cette vidéo est terminée, on se retrouve dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'aller cliquer sur le lien du concours. Salut.